faire cet unboxing 5 avec vous. Je tourne cette vidéo après les cours, donc c'est normal que je sois un petit peu fatiguée. Donc si je me trompe sur certains trucs, ne m'en voulez pas trop. Donc c'est parti. Donc c'était des poupées que j'ai acheté, que l'on m'a acheté sur une brocante, enfin que ma mère m'a acheté sur une brocante. Donc nous allons les déballer ensemble. J'ai fait par contre un soin déjà à la Goulia. Donc la prochaine fois que je crois que c'est l'entrée sur une brocante, je vais peut-être éviter d'y toucher. Je vais vous montrer l'état et je vous montrerai ensuite après le soin. Au moins ça vous fera témoigner qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui n'en prennent vraiment pas soin du tout. Voilà, donc c'est parti. Voilà, c'est que j'avais oublié de remettre une dolle dans le sac. Donc la première c'est celle-ci. Super belle dolle. Non, c'est pas un sac poubelle hein. Je collectionne pas encore des sacs poubelles. C'est un sac hein, noir. Tout moche, mais noir. Donc on lui achète des poupées. Bonjour. Ma petite sœur, donc mon assistante. Voilà, donc on lui achète des poupées sur les brocantes. C'est un brocanteur dont je vous avais parlé dans ma vidéo de collection. Donc le marché d'agrafe a dû vachement augmenter depuis qu'il existe. Non, c'est cool parce qu'en fait, si j'accroche, voilà, c'est déchiré de ce côté en fait. C'est parce que soit je sais plus si je ne savais plus ouvrir la pochette, soit c'est qu'en fait mon frère l'a déchiré. Voilà, donc c'est mon frère qui l'a déchiré, ça se voit. Donc je vais sortir de ce côté là. Vous voyez, parce qu'en fait il accroche 3 à 4 agrafes sur la pochette. Donc les marchés de pochettes et d'agrafes ont dû augmenter depuis qu'il est là. Donc tout ça partait. Donc c'est la dolle qu'on lui a achetée. Donc on lui a acheté, elle était à 6 €. Donc voilà, donc c'est un bon brocanteur, comme je vous dis. Donc en fait c'est Laguna Pyjama 2. Donc je lui ai un peu refait ses méchouilles là, parce que ça me stressait. Il y en avait une qui était défoncée là sur le côté. Non, c'était de ce côté là. Donc voilà. Les cheveux ont un peu pris la forme d'une je ne sais trop quoi. Je l'ai acheté, elle avait déjà des pattes de Claudine. Donc quand je vais retrouver des mains de Laguna, ça me servira pour une de mes Claudine Basic Fashion Pack. Parce qu'elle a une main de vraie Flora. Donc, Basic Fashion Pack. Oui, la Basic qui sert de Fashion Pack. Voilà, et je l'ai eu sans ses chaussons et sans sa boisson. Bon, déjà le principal c'est déjà de la voir. Et après évidemment je les complète au fur et à mesure. La poupée va vomir à force. Heureusement que la Laguna n'a pas le mal de mer. Ce serait con pour une sirène. Faut que j'arrête. Hein. Bon, voilà. Donc pour la Laguna, c'est bon. Donc, sinon, elle est vachement jolie. Enfin, ça va. Elle a des cheveux hyper beaux. Contrairement à certaines que j'ai eues qui étaient comme ça. Oni, mais pas normal. Voilà. Et donc, sans chaussures et sans écailles. Voilà. Donc, la collection 2 de pyjama n'a pas de carte, contrairement à la série 1. Ouais, donc pour les ménages, je vais la poser là. Assise parce que son élastique de son kilt est un peu défait parce qu'en fait il l'a essayé comme ça. Donc un peu le slip en bas des jambes au lieu de le remettre correctement et de l'assurer ensuite. Et déjà on voit pas son cul. Ses fesses! Ils ont fait des petites choses. Excusez-moi! Je vais mettre Peggy 18 sur la vidéo. Ça va, j'ai le mot super rue. Donc le mot fesse mais familier. Bref. Donc ensuite sur un autre stand j'ai acheté ceci. Donc la crypte des creepers, donc je n'ai pas eu complète, il me manque la petite gargouille qui va là. Et un autre petit os à côté avec la gargouille, donc c'est un pied à part. Et donc le gros croissant qui s'accroche là. Avec la clé. Mais c'est pas un problème, parce qu'en fait vous pouvez l'ouvrir avec votre ongle. C'est juste un petit truc qui tourne en fait. Et donc la cage s'ouvre. Super, j'aime trop le concept. Et donc là vous avez un perchoir pour Ulule, vous avez des paniers, et là derrière vous voyez c'est ouvert. En fait c'est pour mettre Neptuna. Voilà, voilà. C'est un peu poussiéreux, machin. Donc dedans il y a les accessoires que j'ai eu sur la brocante, parce qu'en fait du coup sur ce stand. Il y avait une Claudine Scaris, etc. Et la dame m'a demandé de l'aider pour ranger parce qu'elle voyait que je m'y connaissais. Et du coup, bah, je lui ai fait vite fait. Enfin voilà, parce qu'en fait, elle n'a pas forcément très envie qu'on lui achète les accessoires alors qu'elle avait coupé. Enfin voilà, c'est pas forcément gentil. Ou alors que les gens, malheureusement, oublient les accessoires.
Donc il y avait des poupées qu'elle avait déjà vendues, donc j'ai pu prendre des accessoires parce que les gens les avaient malheureusement déjà oubliés. Mais voilà. Donc c'est parti donc pour une autre poupée. Donc c'était là, il reste plus que des poupées qui étaient sur ce stand. Donc c'était une Guja d'Ingo Juice. Donc Showbiz. Donc elle n'avait que ses chaussures et ses boucles d'oreilles. Et donc en fait la coiffure était déjà un petit peu défaite. Et donc là j'ai une Guja dans le dos parce que j'ai trop bien brossé et tout. Donc si vous voulez vraiment les brosser pour en faire des poupées fashion pack comme ceci, donc en fait maintenant j'ai deux fashion pack comme ça, il me reste plus que les lunettes. Donc le sac doit être dedans. Bah là, il est là. Il est là. Donc j'ai un sac pour les deux parce que j'avais eu un sac avec la tenue. Et j'avais eu un sac à part. Et les chaussures, je les avais eues sur Draculaura Scouchor. Et bon bah du coup Draculaura est... Donc Guja, donc voilà, ça fait mon autre fashion pack. Donc voilà, donc, comme j'avais déjà ce Guja là, bah, ça m'a permis de la transformer en fashion pack. Donc voilà, donc elle est trop mimi, moi j'aime beaucoup. Voilà, il me reste aussi à retrouver plus qu'une paire de boucles d'oreilles, donc je vais prendre une Moanika, voilà. Parce que Moanika a les mêmes boucles d'oreilles, elle a repiqué les boucles d'oreilles de fashion pack. Voilà, donc soit prendre une Moanika, soit retrouver vite fait la paire de boucles d'oreilles. Voilà. Ensuite, c'est quoi ça? Ah oui. Et donc évidemment, j'ai tout fait tomber. Voilà, je suis une cruche pour ceux qui ne le savaient pas encore. Au revoir, petit sac. Oh, j'ai plus de dos. Voilà. Magnifique poupée. C'est une théière. C'est des nouvelles poupées en fait. C'est... Excuse-moi, je suis désolée, je te tire pas les cheveux, pauvre petite poupée. Désolée, souris. Mais chut, spoil pas tout! Déjà que j'ai montré la théière sur la poupée, alors en plus. Donc voilà, donc en fait j'avais déjà Apple, je vous l'avais montré, c'était une copine qui m'avait donné. Et donc en fait sur le stand de cet objet, là, donc ce gros truc, là, la crypte des creepers, elle y était. Donc en fait j'ai vu Madeline et j'ai fait oh génial, il y a Never After et tout. Et en fait, déjà j'avais déjà Apple, et du coup en fait j'en voulais au moins une autre, parce qu'en fait j'avais pas envie qu'Apple se trompe toute seule. Et en fait, de toute façon c'est en lien avec les Monster Edge, parce qu'Astranova les connaît. Et en plus, je sais pourquoi les Webizode Monster High ne se font plus, parce qu'en fait Cupid, on la voit qui est dans son temple des roses, donc de son père, qui marche et qui passe à travers un miroir et qui devient la Sea Cupid des Ever. Et donc en fait, donc elle quitte Monster High pour Ever After. Et c'est comme ça que s'arrêtent en gros les webisodes Monster High et recommencent les nouveaux là, qui clignotent dans tous les sens et qui sont un peu nuls à chier. Voilà. Et ça fait faire des besoins. Voilà. Bref, donc Maline, donc voilà, donc je l'ai quasiment complète, il me manque juste sa petite bague. Voilà, donc en fait elle a une théière. Donc le nœud se met comme ça parce que sinon ça s'emboîte pas, et c'est pareil, donc il est dans un sens hein, particulier. Sinon d'un côté il s'emboîte mal si vous bah, ce côté là du nœud, et de l'autre côté voilà, donc c'est saoulant, c'est une grosse bêtise. Donc voilà, donc en fait il me manque juste la bague qu'il a ici. Voilà, donc j'ai un peu refait des boucles, mais il faut que je la raide encore un peu. Mais déjà ça s'en sort déjà mieux qu'Apple, mais déjà en même temps je suis en meilleur état qu'Apple, c'est logique. Ouais, je vais la poser là. Donc en fait il faut pas brosser les Ever After à part quand elles ont les cheveux lisses, parce qu'en fait elles ont des super belles boucles dès le début. Donc si vous les brossez en fait après, soit elles ont les cheveux horribles et tout, donc si vous les brossez c'est pour qu'elles aient vraiment les cheveux lisses et que ce soit beau en fait, parce que sinon c'est vite moche. Donc en fait pour refaire un rouleau, vous mouillez votre poupée et vous faites plein d'autres étapes après. je ferai un truc exprès évidemment pour vous montrer, soit avec Apple, soit avec Madeline. Enfin bref, parce que c'est pas un tuto le thème là. La brosse. Le socle, donc c'est une tête de socle de Monster High hein, qu'ils ont mis. Hein. Bon, voilà. Donc je crois que c'est la tête de socle qui manquait sur un des socles Monster High que j'ai eu sur cette brocante, parce qu'elle avait un socle en trop. Et par contre, c'est pas un socle de Spectra, ça c'est en fait les Ever ont les mêmes bâtons de socle que les Monster High. En même temps, c'est Mattel qui les fabrique.
Ça évite d'utiliser trop de nouveaux moules. Voilà. Donc c'est la tête de soie qui me manquait sur 1. Bon, du coup, je vais pas embêter Maline de toute façon à lui enlever. Tête de socle, ça se retrouve. Et du coup, j'ai donné à ma Gigi Scarmenster parce qu'elle était vraiment pas complète du tout en fait. Du coup, au lieu de la donner à ma Jean Scarmenster, parce que de toute façon, il manque juste son petit bracelet. Si je dois racheter une Jean, autant que je la rachète avec un socle. Et pour le socle et bracelet. Sinon, c'est un peu débile. Hein. Déjà que j'ai le carnet en double, donc je suis loin de vouloir redemander un carnet. Je crois qu'on a fait le tour. Ah non. Donc le carnet d'Abby et Thomas. Je ne sais pas du tout ce que Ulule foutait dans le sac. C'est mon Ulule de Goulia basique. Je ne sais pas du tout ce qu'il faisait là. Et un couteau. Oui, je vais tuer des abonnés avec un couteau en plastique. Parfaitement. Non. Du coup, je m'en sers soit pour mes vidéos d'horreur, soit en fait, j'ai eu dans une petite sacoche à Pâques. Et vous voyez, là, vous avez une fente. Je le fais à l'aide de la caméra, donc je vois pas trop. Voilà. Et vous tournez à l'horizontale. Tadam ! Et là, du coup, ça vous cognez derrière, faut vous tirer, évidemment, c'est juste là. Voilà. Bon, et là, j'ai rangé les accessoires dedans. Tricheuse! Voilà. Donc c'est tout simple. Si vous n'avez pas la clé, vous pouvez utiliser de la dinette aussi. Je vais mettre le carnet d'Adeline, de Madeline, Adeline. Je suis vraiment fatiguée. Donc ça se fait en accordéon. Cruche. Je suis une grosse cruche. Bon, voilà. C'est une rebelle, Madeline. C'est marqué dessus. Donc j'ai eu aussi un accessoire du coup des doubles récipes. Donc avant j'avais juste les tabliers en accessoire et leur purée. La purée y était avec les tabliers mais ma soeur ne les avait pas. Donc on les a pris comme. Et donc du coup j'ai la petite petit mafia bizarre. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai la tarte emblématique du lot. Je la voulais trop parce que franchement c'est vraiment emblématique de ce pack là. Alors voilà. Et j'ai le petit fouet. Donc, forme de main squelette, à 4 doigts. Parce que je savais pas, mais cette personne devait avoir un gros problème parce qu'elle a que 4 doigts dans ce cas-là. Le téléphone de Rochelle, ils n'avaient plus Rochelle non plus. La petite coucouillère, voilà la louche. Voilà. Le bécher. Et en fait, le truc pour mesurer, je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est un. Les trucs des cartes de maître, donc en fait vous savez la machine où ça fait bip bip tout le temps et c'est ultra chiant dans les chambres d'hôpital et ça fait des vagues pour mesurer du rythme cardiaque et c'est ça pour mesurer. Donc j'essaie de vous le montrer, je sais pas si vous arriverez à voir. Voilà. Et du coup la petite pochette de maquillage de Rochelle, voilà. Donc avant je ne savais pas du tout que Rochelle avait ça. Je savais qu'elle avait des parfums et etc. Mais je ne savais pas du tout qu'elle avait ça. Du coup, j'avais dit à ma soeur que que la dame qui devait nous donner des accessoires, elle lui devait des parfums et tout. Mais je ne savais pas que Rochelle avait ça de base. Ma soeur malheureusement ne l'a pas. Oui, parce que nous avons reçu les accessoires et comme une cruche, je fais cette vidéo avant de tourner des accessoires. Pas logique, mais en même temps j'ai un tas d'unboxing à faire en même temps. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris un peu de retard pour cette collection. Je me suis dit c'était un peu au dernier moment. Et évidemment, le petit parfum. Je crois que c'est tout. Hein. Je vérifie juste dans le sac vite fait. Parce que comme vous voyez, il y a des gros trous en dessous et comme je les ai mis, j'ai peur d'avoir fait tomber des trucs. Donc voilà. Donc là que c'est le gros machin. J'ai eu une Ever After de Monster High avec plein de petits accessoires. Donc de Abby et Thomas, il ne me manque plus grand chose. Il me manque déjà le gant à Thomas, là, le gant de cuisine. Puis je crois que c'est un des seuls trucs qui me manque. Hein mmh. Et bien le. Mmh. Je crois qu'elle s'est fait couper la langue. Elle me répond que plus que comme ça. Mmh. Je rigole parce que le truc est tombé et parce que ma soeur m'a encore fait. Mmh. Il m'énerve. Bref.
Du coup, ben voilà, donc c'était l'unboxing de ces trois petites poupées là. J'ai pas oublié ma ligne, j'ai dit trois poupées mais j'en montre que deux. Donc voilà, donc de Laguna Pizama, Pizama. La... Pizama, ouais, c'est pas parlé. Laguna Pizama. C'est toi, nos commentaires. Bref, et donc de Goulia, Fashion Pack, et de Malinateur. Voilà. Donc voilà. Et revoilà. Donc voilà. Je sais pas. Faut que j'arrête. Donc, nous nous reverrons sur une autre vidéo de la chaîne en espérant que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Ça me ferait énormément plaisir. Et à la prochaine. Bye! Oups!